À tout à l'heure, man. Bisous. Bisous, non, on va éviter ça. Ah, ils sont pas éduqués, ceux-là. Ouais, du tout. Ça va, 47? Ouais, ça va, ça va. T'as un point de fois que t'as réussi à te débloquer ça un vendredi. Hein. Eh bah, tu vois ça. Eh, je suis de plus en plus présent, là. Ouais, bah, tant mieux. On s'investit. Je reste encore une petite heure, après, je vais prendre une fin de service. Déjà, j'ai à peine d'arriver. Ah bah, je suis là depuis 17h. Ah, merde. Y'en a qui bosse ici. T'étais avec 12, j'ai vu sur radio. Ouais, ouais. T'as pas parlé de moi par hasard? Non. Ah bah merde. Par contre avec 07, je sais pas, il y a quelque chose. Hein. Ah mais c'est pour parce ça qu'elle est avec. Parce que tout à l'heure, quand ils sont arrivés tous les deux en même temps. Enfin, à quelques secondes près, comme par hasard. Ah bah écoute, ça se trouve ils sortent ensemble en secret. Hein. Ouais bah je sais pas, je pense. Ok, laisse tomber. C'est 12 ça? Bah... Non, non, c'est 13. La fille là? 13 et... non, je crois que ça c'est madame Le Sage, si je me trompe pas. Ah, capté. Putain, mais tu connais toutes les meufs de la ville, toi? Bah, ça fait un moment que j'y suis aussi, hein. Bon, écoute, faut qu'on sorte un soir et que tu me présentes une meuf, hein. Putain, mais c'est pas possible. Ouais. Oh là là, mais non, mais la vieille, mais regarde ça, regarde ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Hé, grand-mère, mets tes lunettes, là. Elle va descendre et te péter la gueule. Tu fumes quoi, que de la clope ou les cigares aussi? Ouais, bah que de la clope. Un peu de cigare auparavant, mais ça défonce les poumons, ça. T'as déjà goûté les cigares à moustache? Hein, de quoi? Les cigares à moustache. Explique-moi. Ah, t'as jamais testé? Non, non. C'est quoi, les cigarettes, les cigares à la moustache? Tu connais pas l'expression? Non, non. Bah, un cigare, tu vois, c'est ce que t'as dans ton froc. Et un moustache, parce qu'il y a des poils. Tu vois? Ok. Ouais. C'est une manière plus élégante de dire bite, quoi. Ouais, bah, j'y penserai la prochaine fois. Hein. tiens, regarde-le, les. Ça va, 13? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Depuis quand tu te balades avec un véhicule de l'état-major? Bah, parce que 09 était dedans et c'est le capitaine qui lui a donné. Et puis bon, j'estime qu'il est pas trop mal, tu vois. Bah, on a la classe ce soir dans ce cas-là. C'est clair, il te manque plus que le petit gilet jaune et puis hop, t'es parfait. Grave. Je vais essayer de la retrouver et de vous tenir au courant. Ouais, je vais lui faire une blague. Ouais, de toute façon, c'est mort pour nous. Tu me vois? Bah, ouais, je vous vois! Allez-y, t'as faites un truc! T'es un mytho! Là, les mains en l'air, voilà. Là, tu cours comme un con. Ouais, t'es un mytho! Je suis juste à côté de toi là! Tu veux pas sortir du véhicule vite fait? Bah. Ouais, bah voilà. Tu veux que je te frappe? Ouais. Voilà, là je te défonce la gueule. Mais n'importe quoi! T'entends le véhicule là? Hein? Tu l'entends ou pas? Ah ouais? Ouais, c'est un mytho, t'es derrière à coup sûr. C'est sale bâtard. Laisse-moi conduire. Vas-y. Ah, bah, je voulais t'arranger un coup avec 12, mais bon. Tu parles. Depuis le tractopelle qu'elle m'a mis dans la gueule, y'a plus rien qui est possible. C'est un tractopelle, là, c'est. C'est une grue. C'est une avalanche de tractopelle. Ah mais apparemment 47 m'a dit qu'avec le capitaine ça chauffait là non? Ah ouais? Ça chauffait dans le sens il y avait possibilité quoi. Ouais bah je sais pas hein. Elle fait ce qu'elle veut. Bon bah bien sûr. Et lui il regarde. Ah mais putain c'est 12. Merci. Bah monte. 13. Ouais. Tu peux du cul. Vraiment. Mais n'importe quoi. Mais c'est pas moi. Merde. Bah écoute, c'est qui au final? 12. C'est pas moi, mais bon, on va y aller, je vais te suivre et puis c'est parti. C'est fini, les amis. Bah, les go. Avec mes torse nus, quoi. Ah bah. Ah non, mais attends, je fais pas ça avec des vêtements. Ah bah, hors de question, je fais ça avec des vêtements. Et 16. Ouais. Quelqu'un t'a proposé un poil là? Tu Ouais, 13. Eh, tu viens m'aider. Ah, je me doute que c'est pas toi qui m'aurais proposé à boire. Arrête, je suis pas comme ça, hein.
Sympa ton t-shirt. Attends. Putain, mais c'est quoi ce petit caleçon là? Les gants ils sont où là? T'as le mec bah, je sais pas, tu fais le ménage? Tiens, bah attends, non. Y en a là. Ah, ça pue! Ah ouais, ça va la salle de bain. Tiens. La salle de bain, c'est la taille de mon appart. Allez, sortez, vas-y, j'ai pas envie de me prendre en photo pendant que... T'as pissé ou quoi dans ta baignoire? Parce qu'il y a une sorte d'auréole. Allez, sort. Ça s'appelle. C'est du calcaire. Allez, sort. Allez, chat. Sors. Ah bah, du calcaire jeune, j'ai jamais vu ça. Bon, je ferme la porte. Tu veux un truc, du coup? À part un smoothie aux épinards? Parce que c'est pas tout, c'est pas top, hein, vraiment. Bah, je sais pas, t'as quoi? Du vin. J'ai du whisky. Ah, voilà, j'ai en patrouille, je vais peut-être éviter. Ah ouais, carrément, le petit bang et tout. Ah. Non, c'est... Ouais, y a quoi dedans? Du tabac. Ah oui, du tabac seulement. Attends, vas-y, je vais sentir. Ah, ça sent... La verdure. Ah, le tabac. Le tabac, c'est vert avant d'être... Enfin, non. Oh, c'est un peu plus marron parce que c'est séché, mais bon. Après, ouais, tu fais ce que tu veux. Sinon, c'est vert à la base, tu vois, donc c'est bon. Bon alors, ça va depuis la dernière fois? Bah ouais, ça va et toi? Ouais, peut-être un petit peu moins bien que toi, mais ça va. Moins bien que moi, comment ça? Ah, rien, t'inquiète. Non mais comment ça? Vas-y, va au fond de tes pensées. Ah non, c'est bon, c'est... T'as déjà oublié, c'est bon. Ouais, bah non, j'ai pas oublié le dernier mot qu'on s'est dit la dernière fois, non, je me souviens, mais... Et avec le capitaine, ça va bien? Quoi? Et cette rumeur à la con, là, vraiment. je sais pas qui dit ça, mais c'est full mytho, hein. Ah, mais il y a tout le commissariat qui le dit, alors à un moment, je sais pas. Ah ouais? Moi, tu sais, une rumeur, bon, une personne me le dit, je dis, ouais, bon, c'est une rumeur, tu vois. Mais quand il y a tout le commissariat qui le dit... Qui t'a dit ça? Je sais pas si je peux te le balancer quand même. Bah si, vas-y. C'est 13. Ah, lui... Je rigole, c'est pas lui. Tamir. C'est pas lui. C'est quoi ces mythes que vous racontez sur ma gueule? Mais c'est pas lui, putain. Mais c'est quoi ces mythes que vous racontez sur ma gueule? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai raconté par rapport au capitaine. Ah, ce que tu m'as dit, mais j'ai rien fait moi. Attends, ce que je t'ai dit, mais ce que j'ai répété de quelqu'un, rien fait, j'ai rien inventé. Hein. J'ai rien fait. T'as raconté. Vraiment. Non, lui, il a rien raconté, c'est moi qui lui ai raconté la rumeur. Il la connaissait même pas. Ah ouais, donc, mais comment tu l'as appris? C'est quoi cette rumeur là? Bah, en fait, je sais pas, il paraît qu'aujourd'hui t'es arrivé genre quelques temps après le capitaine. Il paraît que t'es souvent avec. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs. Ouais, 47 quand même, d'accord, merci. Merde, j'ai rien dit, hein. Quelqu'un numéro de 47? Pour l'instant, aucun visuel sur un véhicule suspect ou une personne. J'ai jamais dit que c'était 47, hein. Ouais, non, mais il m'a fait une réflexion tout à l'heure parce que soi-disant je suis en même temps que le capitaine. En dessous du bloc. Vas-y, donne son numéro, je vais le défoncer. Attends, je sais même pas si je l'ai, je regarde. Eh, tu peux assumer s'il se passe quelque chose. Mais il se passe rien, sinon je l'aurais dit, tu vois, j'ai pas d'intérêt. Bon, ça va, t'es honnête. Bon, on y va, nous. Ouais, pas de soucis. Bah, du coup, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Ouais, bah, tout à l'heure. À la prochaine. Et t'as les clés ou pas? Parce que je crois qu'il y a. Ah oui, encore, moi j'ai les clés. J'ai encore paumé les clés du coup. Direction. Ah, c'est pas grave. Arrête avec ton rire. Tu vas venir. Il est malaisant. Ouais, ciao Bella. Moi que vous preniez le partenel de Elon Musk. Et du coup, 12, le bisou au capitaine. Ouais, à tous. Mais de quoi tu parles? Toi aussi, je vais te bloquer, connard. Oh. Bonne soirée. Arrêtez avec vos rumeurs à la con. Bien fait, bon. Madame 1326. Allez. On t'emmène quelque part? Non, c'est bon, je vais... Merci. Tant mieux, je dois pas en venir. Bisous 07. Oh là, on a une délinquante là. Non. Bonsoir, donc la personne a eu apparemment 4 balles dans la tête, donc vu l'état, je pense que c'est fini. Ouais. Tu sais qui c'est? Ouais.
Apparemment, monsieur Salvatore, ouais. Mais il va falloir une confirmation d'ADN. Ah, putain. Dégueulasse. Bah aussi, me. Faut une unité de coroner, là, il y a un mort, hein. C'est un décès, là. Ouais. Va me falloir aussi une prise ADN du 4x4 qui est derrière, s'il te plaît. Ouais, y'a rien. Trop classe. Y'a rien l'air d'avoir. Je peux monter dans le véhicule, fouiller la boîte à gants. Yes, t'as les gants, donc tu peux. Et du coup, vas-y, parle-moi en plus là sur ces magistrats là. Pourquoi les magistrats d'ailleurs? Pourquoi ils s'appellent comme ça? Je sais pas. Alors en fait, si tu veux, c'est un groupe qui se revendique comme le bon groupe, les bons citoyens de Los Santos, de la ville. Ouais. Et qui contre la LSPD, contre le gouvernement. Puisque apparemment, en fait, on empêcherait les gangs de vivre, on les empêcherait de tout faire. Et eux, du coup, apparemment, ils donneraient de l'argent à tous les citoyens dans le besoin, y compris les SDF. Et en fait, ils nous ont kidnappés pour nous faire passer ce message. Et on leur a dit, en fait, vous comprenez pas qu'il y a des taxes. Et c'est fait exprès pour les gens pauvres, les gens riches. Enfin bref, ça s'appelle une nation, en fait, tout simplement. C'est un gouvernement. Ouais. C'est, voilà. Et il faut qu'il y ait des taxes, il faut qu'il y ait des lois, c'est logique. Et puis après ils nous ont dit que c'était pas des terroristes, mais ils voulaient censurer nos vidéos, ils ont voulu qu'on s'excuse auprès d'eux, enfin bref. Okay. En fait ils sont nuls, ils ont des techniques et tactiques qui sont vraiment dégueulasses et pourries. Genre c'est très facile à arrêter, on aurait pu les arrêter, bah d'ailleurs on en a arrêté plein. Mais c'est juste une commence quoi. Enfin, 10 10, besoin de renfort au croisement Davis et Forum Drive. Adam 13, on arrive. Adam 13, sur position. Sur position. Oh bordel. Enculé, c'est quoi tout ça? Oui, Ah, j'ai un fille, putain. Relève-toi, man. Bon, restez là, s'il vous plaît. C'est qui ça qui parle là? J'sais pas. C'est quoi ce bordel, j'sais pas. Restez assis, messieurs, s'il vous plaît. Partez de là, la sale cadet de merde. Déjà, je suis officier. Ah ouais? Ah bah, moi, j'ai la plus grosse. Moi je suis la plus grosse, moi je suis ça, je suis officier. Je fais la déboîte, man. 16. Sérieux? Ouais. Il va y avoir tout le monde qui va repartir avec des bracelets, ils vont tous passer un petit moment en cellule, il y a une baston générale. Ouais, ok. Il y a les médecins qui arrivent. Je veux les verts de ce côté-là, les violets de l'autre. Et du coup toi tu vas t'occuper de la version des violets et je m'occuperai de la version des verts. Ok. Ok. Mais tout le monde va repartir en cellule de toute manière. On attend juste les médecins, pour le moment on les sait pas. Ça veut jouer les caïds. Ta gueule toi. Je suis con ta gueule, mais gros gauche. Ok, tu reçois pas une poêle. Restez assise madame. Même poêle, plus beau gosse que toi. Merci. Ouais. Sale bâtard, là tu m'entends mieux. Bah, je vous entends très bien. Bah voilà, ne casse pas les couilles. Ouais, pas de soucis monsieur. Bon, tenez votre langue monsieur Black. Et lui, votre collègue là, il me casse les couilles. J'en ai rien à foutre qu'il vous casse les couilles. J'espère bien qu'il vous casse les couilles. Vous vous comportez comme des putains d'animaux et se faire insulte au monde animal. C'est eux les animaux, c'est eux les animaux. Donc maintenant vous allez mieux parler à mon officier. Qu'on soit clair. C'est eux les animaux. Ils savent même pas faire un V1 légit. Ils se relèvent, ils tapent et tout. Ils sortent la batte de baseball, ils sortent les poings américains. Rien du tout, ils connaissent pas la rue. C'est qui la salope qui a dit écartez-vous. Ferme ta gueule. Vous restez. En arrière. Garde ta batte toi. Range ta batte de baseball toi, espèce de salope. Eh bah vous, restez là. Rangez votre batte. Oh, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tu poses ton couteau, tu poses ton couteau. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je fais? J'ai un gars. T'as cru qu'on était dans une classe ou quoi? On s'assoit si on a envie. J'ai deux gars qui commencent à se barrer, j'ai rien du renfort de l'autre côté. Hein. Vous n'allez pas jouer au malin avec moi, je vous le dis. Rappelle tes potes là, tu me rappelles immédiatement tes collègues. Bon, vous m'impressionnez pas. Allez, stop. Ah ouais. Ouais. T'es bizarre toi maintenant. Qu'est-ce qu'on prend pour la maîtresse?
C'est bien, monsieur. Faites-moi savoir votre mécontentement, j'en ai rien à foutre. Allez de l'autre côté, là-bas. Vous irez en cellule et pas moi. Putain, j'ai soif à mort, y'a pas quelqu'un qui a à boire, là. J'ai à boire pour vous, de... Monsieur le docteur, vous avez des systèmes de dons à l'hôpital, il faudrait faire un don de couilles aux flics derrière, là. Ah, carrément. Ah ouais, y'a pas de système de dons. Je crois qu'il y a des dons, mais pour les patients, quoi, atteints de cancer, etc. Mais pas de dons pour ça. J'ai compris. C'est-à-dire que si vous en avez pas de base, du coup... Bah man. Ouais, il s'est passé quoi? Ouais, je suis pris une patate, là. Arrêtez la provocation, s'il vous plaît. Je danse. Elle danse, elle fait ce qu'elle veut, non? Elle est chez elle. Non, elle est pas chez elle, non. Malheureusement, elle est dans la rue, là. Bien sûr que c'est ça, moi. Bien sûr, elle est chez elle. Toi, t'es chez toi, toi? Tu penses que t'es chez toi, devant? C'est ma ville, ici. Ah ouais, genre, c'est ta ville. Ouais, bah, moi aussi, j'habite ici, mec, hein. C'est ta ville. Bah, plus que toi. Laisse tomber. Je crois qu'il prend de la drogue, lui. Il prend de la drogue dans les vestiaires des commissariats. C'est de tapette. Ça va? Ok, ça va. Bah, j'ai rien, moi. J'ai même pas participé à un truc. Hein, c'est moi qui a pas de cerveau après, hein. Arrête de faire le malin alors que quand je suis chez le dépanneur, tu me suces la bite. Donc t'arrêtes, tu fermes ta gueule maintenant. Pardon? Ouais, tu fermes ta gueule, je te dis. Me provoque pas, parce que vraiment... Écoute-moi, parce que je vais te calmer dans 2 secondes. Écoute-moi, sale bâtard, gros bâtard que t'es, écoute-moi. Moi, je te suce la bite, toi, tu me connais pas, toi. Tu me connais pas, tu sais pas qui je suis. Ferme bien ta gueule et suce le sol maintenant, espèce de gros bâtard que t'es, ok? Est-ce que t'as compris ça? Est-ce que tu m'as compris? Si tu me fais trop voir l'ordre public, je te mets 2 coups de matraque, t'as compris? Mademoiselle, vous rentrez ici. Immédiatement. Tout seul, ça va être compliqué. Ouais, ils sont incontrôlables, les deux. Ça va partir. Ferme ta gueule, toi. Ferme bien ta gueule. Doucement. Ah, on a pas le 09. Tu sais ce qu'il me dit, ton pion derrière là? Tu sais ce qu'il me sort? Il me dit quoi? Il me dit, quand t'as chez le mécano, tu me suces bien la bite, il m'a dit. Lui, je vais te le dire instant. Lui, c'est un gros fils de pute qu'il est, lui, ok? À partir de maintenant, lui, il est privé aussi. Lui, il rentre plus à Grosse Street non plus. Je fais passer le message. Moi, maintenant, on s'écarte. C'est cool, moi je vais t'enchouler, moi. T'as bien compris? Mais oui, monsieur, mais oui. Et le jour où tu. Ah, maintenant tu me vois parce qu'il y a ton supérieur, c'est ça, espèce de grosse chaîne que t'es? Non, j'ai dit que vous étiez une petite merde. On se calme tout de suite. Le jour où tu utiliseras ta bouche. Mademoiselle, vous revenez. C'est la dernière fois que je vous le dis. Le jour parce qu'en fait, j'ai besoin de préserver mes oreilles parce que ça me casse les oreilles, monsieur. Non, vous restez là, j'en ai rien à faire. Il utilisera sa bouche et pas ses propos. Comment ça, t'en as rien à faire? C'est là pour aider les citoyens, moi j'ai rien fait. Là, il pourrait être. Oui, bien sûr, vous êtes dans une rixe et vous avez rien fait? Moi j'ai rien fait du tout. La prochaine fois, t'es pas mon daron par contre, toi derrière. La prochaine fois que t'es au mécano, on va voir comment tu vas te traiter, espèce de salope que t'es, t'as compris maintenant? J'ai très très peur. Hein? Bon, voilà, bien sûr tu vas avoir peur, espèce de grosse salope que t'es. La prochaine fois que tu passes à Grosse Street, je t'encule tes grosses bourses, toi qui merde, t'as compris? Ah, c'est bon. Espèce de salope qui pue. On sépare. T'as sauté dans le tas comme une salope. Va maigrir, toi, la biche. Gros porc, va. Gros porc. Attends, avec ta grosse casquette. On dirait que tu serais Charmado. Il roule sur les mains. Fais du BMX. Arrêtez les provocations, ferme ta gueule. Mais pourquoi tu parles H24 toi là, le flic? Mais t'es sérieux? Parce qu'en fait vous déblatérez tellement de la merde, ça me saoule. N'importe quoi, baby boy. Donc taisez-vous en fait. Taisez-vous. Taisez-vous. Mais retourne bouffer ton donut, toi, ferme ta gueule. Si vous voulez pas te connaître. Je t'ai défoncé toi et ton pote Kane. T'es nul. Ton putain de collègue, il alimente depuis tout à l'heure. Nous on demande qu'à se barrer en fait. Si vous avez quelque chose, si vous avez un problème contre un collègue, vous pouvez porter plainte. Je vous ai déjà dit, c'est le cas pour tous mes collègues, moi y compris. Là, si y a un problème contre un agent du SPD, vous portez plainte. On veut juste casser, c'est tout. Non, vous attendez. Il nous insultait de bande de singes. Il nous insultait de bande de singes. Il lui a dit tout à l'heure. J'ai une dashcam sur moi. J'ai une dashcam sur moi. On se met là. Les trois. Ta gueule. Non, juste pas les sons, Dejcam, si tu sais. Oui, bien sûr, vous connaissez mieux la technologie que moi. C'est la bite au garage. Bien sûr que je connais mieux que toi. On peut parler sans ton, pas espèce de grosse salope. Allez, casse-toi. Donc si vous voulez vous battre et faire la comparaison de taille de bite avec les familistes, c'est votre problème. Et vous faites ça dans un coin où ça mêle pas le public, ok? Parce que si je vous rechope, et croyez bien que j'ai chopé le flingue de monsieur Da Silva, ok? La prochaine fois, si je vous rechope, Et que je vais vous faire la totale, hein. C'est-à-dire, je vous fouille la totale, vous finissez cul nu devant votre quartier, qu'on soit clair. Je dois fouiller chaque centimètre carré de votre anatomie. J'appelle le docteur Anderson qui vous fout un doigt. Ouais, non, ça me plaît pas non plus. C'est eux qui sortent les armes.
Vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez rentrer dans votre quartier, ça m'intéresse plus les excuses parce que voilà. Bon, on est chez nous. Ouais, bah vous allez traverser de l'autre côté de la route et rentrer. Parce que là, je vous demande de dégarpir. Et si vous refusez, ça s'appelle un refus d'obtempérer. Là, par contre, j'aurai une bonne excuse pour vous mettre en cellule. Donc j'ai suffisamment gentil en vous laissant partir. Parce que pour la bagarre, je suis capable de pouvoir vous embarquer. La petite location bang bang. Il y a un mot plus haut que l'autre, 16, pendant le... Bah, tout simplement, ouais, ils ont commencé à me provoquer, bah, parce que je devais les surveiller et qu'ils commençaient à partir. Il y en a deux qui sont partis, vous en avez poursuivi un. Et ouais, à un moment, franchement, ça m'a gonflé, donc j'ai utilisé leurs mots. Par exemple, le Kane qui fait le tout gentil quand on est au garagiste et qui, là, maintenant, fait le caïd devant moi, quoi. C'est normal, il fait le caïd devant les grands, il veut s'imposer au niveau des grands. Donc il faut avoir ce genre, voilà. Faut voir ce genre de réalité. 16, qu'on soit clair, l'officier 47 était sergent, il est repassé officier parce qu'il a eu des mots plus haut que l'autre plus d'une fois. Donc je veux pas que ça s'accumule. Vous êtes dans une ville avec énormément de criminalité noire, il faut que ce soit une réalité à laquelle vous êtes attaché, mais je veux pas qu'il y ait un mot plus haut que l'autre, ou un mot qui soit déplacé, ou un mot qui soit interprétable de manière à ce que ce soit une insulte raciale. Qu'on soit clair. Surtout, ah, tout à fait, mais je suis pas du tout raciste, donc je les ai jamais insultés de singe ou quoi que ce soit. Enfin, ça, c'est n'importe quoi. Je veux bien vous croire, mais je vous demande juste, de par votre statut d'homme blanc au sein de la LSPD, de faire d'autant plus attention parce que c'est souvent interprétable et c'est malheureusement quelque chose qu'ils peuvent gagner de ce côté-là. Donc soyez prudents sur les mots que vous utilisez lorsque vous voulez leur répondre. Vous avez le droit de leur répondre, qu'on soit clair. Je les enfonce souvent plus bactère. Il y a l'art et la manière. Voilà. Ouais, bien sûr, compris.